Mourad Boudjelal. Moi, en dehors des périodes de carnaval, je ne vois pas de raison de porter le voile, quoi. Ça me semble choquant, surtout par les temps qui courent. J'ai rien contre la religion musulmane, vu mon nom, mais moi je suis athée. Mais je trouve que par les temps qui courent, cette tendance de la part d'une partie des musulmans de dire sans arrêt moi plus croyant que vous, moi plus pratiquant que vous, ça devient insupportable parce qu'après il y a toute une autre partie de la population qui se le prend dans la gueule en retour, qui se le prend dans la gueule. Donc au bout d'un moment, ça suffit. On est en France, il y a des lois, la France est une république laïque. C'est pas parce que moi plus qu'on ne va pas s'intégrer et on ne va pas respecter les lois de la République. Mmh. Ça, c'en est une. Il n'y a pas de raison et le moins plus ne fonctionne donc, pas. Il faut ni pour les musulmans, ni pour les musulmans, ni pour les autres. Que ce soit bien clair. Donc, il n'y a pas de raison qu'on accorde au moins plus aux musulmans. Et puis, attends, qu'est-ce qu'on en a à foutre de voir sa gueule, franchement. Je veux dire, on ne va pas la violer. Voilà, moi, ça me fait penser à tous ceux que je vois sur les Champs-Élysées avec des femmes voilées qui marchent un mètre devant et qui disent et dès qu'ils voient passer une jolie fille en jupe, la se retournent 45 là, fois. Quoi. Voilà. Pour qui la peur de la mort leur impose des règles aussi stupides que porter le voile, parce que c'est ça l'arrivée, et qui pour qui Dieu est une certitude, parce que c'est aussi ça leur problème, pour moi ça n'est pas du tout une certitude, ça nous emmerde, parce qu'aujourd'hui on le paye, et surtout les musulmans, on le paye très cher. Qu'est-ce que tu fais des mamans et des sorties scolaires? Elles ont le voile. Oui ou non, elles peuvent accompagner. Parce qu'on étudie. On respecte. Aujourd'hui, on n'a pas à être voilé dans une sortie scolaire. Et aujourd'hui, cette image, c'est au-delà de l'école. C'est cette image sans arrêt, le musulman rebelle, le musulman qui respecte pas. On se le prend dans la gueule. Tous les autres se le prennent dans la gueule et ça nous coûte cher.